Le Canada est un fier partenaire du Sénégal dans ses efforts pour améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables à travers le pays. Nos engagements font la différence et changent des vies chaque année. 2017 a été riche de réussites et de nouveaux départs pour des femmes, des hommes, des filles et garçons qui voient maintenant leur avenir avec plein d'espoir. Voici quelques-uns de leurs témoignages. Lañ doon roté diko arroser tay ben bi lay and ak mom buñu ubé van yi may tej di buma tijé mom muy bay benen bi da nga daan xey di jënd benen boy pomté da ngay jënd ay 400 500 000 gasoil mais légui danaka do jënd gasoil salaire bi rek mo koy rosé lolou mo ci gëna neex li ci gëna neex nak moy xalé yi musuñu won bëgg mbay ñu ngi ñaan nak nañu dimbal nak té jigéen ñi ci seen bop ñëpp dañoo bëgg dugg ci liggéey bi amna ñu xamné dañuy jënd di jaay tay li ñu bëgg moy dugg ci projet paden bi bañu mëna liggéey yok suñu kom kom ci ñun jigéen ñi. De plus, des centaines de femmes et d'hommes dans l'industrie alimentaire en Casamance ont vu leurs revenus augmenter considérablement de manière durable, améliorant ainsi la qualité de vie de leur famille tout entière. Pour aider les populations à faire face aux caprices du climat sur les récoltes, le Canada appuie les actions du Sénégal pour la sécurité alimentaire. Le PNASAR, c'est le programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience. Le PNASAR, c'est déjà quelque chose de fondamental, hein, parce qu'avant de démarrer quoi que ce soit, c'est ça qu'il fallait d'abord bâtir. Donc ça, c'est l'œuvre du Canada. En collaboration avec le SECNSA, dans ce contexte de changement climatique, il faut aider ces ménages-là, ces familles, à pouvoir s'en sortir elles-mêmes. Ça, c'est le meilleur espoir qu'on puisse offrir aux populations dans les prochaines années dans la mise en œuvre du PNASAR. Afin de voir grandir une nouvelle génération forte et pleine de santé, le Canada s'engage à contribuer à une nutrition de qualité. L'ambassade du Canada au Sénégal donc, est co-conveneur, disons donc co-chef de file de la plateforme des partenaires techniques et financiers dans le domaine de la nutrition. Le projet PINK est vraiment le reflet de toute l'approche multisectorielle que nous prônons aujourd'hui au niveau opérationnel qui allie non seulement la mise en œuvre d'interventions spécifiques au niveau communautaire nutrition que sensible nutrition. Parce qu'une nation émergente a besoin d'outils de qualité, le Canada contribue aux efforts de l'ANSD dans le cadre du plan Sénégal émergent. Il est souhaitable de disposer d'un ensemble de statistiques pour suivre et évaluer la mise en œuvre. Et c'est dans ce cadre justement qu'intervient Affaires mondiales Canada pour permettre à l'ANSD de répondre à la demande de données nécessaires au suivi du plan Sénégal émergent. L'émergence du Sénégal, c'est aussi croire en sa jeunesse brillante et déterminée. C'est pourquoi le Canada accompagne les jeunes à intégrer le monde professionnel de leur pays. Mademoiselle Nilan correspond bien au profil que nous recherchons depuis tant. Parce que sa venue ici, ça coïncidait avec la mise en œuvre d'un programme de grande envergure, le programme national d'éducation rurale. Aujourd'hui, je suis en mesure de dire que j'ai acquis toutes les compétences nécessaires qui me permettent d'effectuer le travail dont je suis chargée ici à l'Agence sénégalaise d'éducation rurale. Son travail nous a permis de faire une meilleure et bonne planification, c'est-à-dire faire le maillage du territoire national en termes de lignes moyenne tension et de nombre de villages électrifiés. Je faisais partie de la première promotion du programme coopératif de EMS Sénégal. Et ce programme m'a permis d'avoir un stage qui a boosté ma carrière complètement car ça m'a permis d'intégrer le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de mon pays. J'ai finalement intégré la Sonatel en tant que responsable d'être analyste pour le compte de Orange Sierra Leone. Mon message pour les jeunes filles, c'est d'aller au bout de leurs efforts et de réaliser leurs rêves. Tout est possible lorsque l'on travaille ensemble pour changer les choses. Et parce qu'apprendre dans de bonnes conditions est primordial pour changer demain, le Canada est partenaire de l'éducation. Le PIRS AMS, il a été conçu et adopté pour répondre à deux besoins. Le premier, c'était d'abord de doter les écoles en monnaie scolaire. Et le deuxième besoin, c'était de renforcer le processus d'approvisionnement en monnaie scolaire. Nous sommes là pour réparer des manuels scolaires. Dans la région de Kaolack, il y a plus de 40 jeunes, au moins 40 jeunes qui sont dans la réparation. Elles en font partie. Le travail a fait que nous sommes intégrés dans la société maintenant. On répare le manuel pour les élèves et pour aussi aider l'État à réduire ses dépenses. Les manuels réparés peuvent avoir une durée de vie
de 6 à 7 ans. Maintenant, tous les élèves ont deux livres, deux manuels. On peut, sans risque de se tromper, dire que ces manuels auront à coup sûr un impact sur le niveau de ces élèves-là. Ces témoignages émouvants nous illustrent comment la coopération canadienne au Sénégal est un partenariat qui répond réellement aux besoins et se concentre sur les résultats concrets pour les Sénégalaises et Sénégalais avec une amélioration de la qualité de vie qui dépasse bien souvent les attentes de tous. Nous sommes ravis de voir les sourires des jeunes filles et garçons au primaire avec leurs nouveaux manuels scolaires, à l'école et dans leur sac d'école. La coopération canadienne continuera d'appuyer les efforts de développement au Sénégal pour améliorer la qualité de vie de sa population. Et nous espérons travailler ensemble pour créer davantage d'opportunités et de richesses pour les femmes et les jeunes dans le cadre de la politique d'aide internationale féministe du Canada.